Salut, bro. Ah d'accord, t'as pas de pute. Puis... Ok. Hé, hey, attends. Il faut d'abord décompresser, là. What? Non, faut décompresser. Elle avait des problèmes au cœur, c'est bien possible que ce soit à cause de ça. Ah, et puis je sais très bien que ça peut être que ça peut vraiment être dangereux, ça. Par contre, en haut, c'est chaud ce qu'il leur arrive. Mais gros, mais ils font quoi? Réticence. Ne rien dire. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go! Non mais gros, si, le truc c'est que si tu montes trop vite, après ça va... Tu vas clairement être pas bien, avec ta prémonition en plus. Relax, hein. Tout est sous contrôle. Gros, 2-3 secondes... Oui, mais je sais pas ce qu'il a fait, ce gang. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, c'est vraiment un gros gang ce mec, gros. L'autre bateau. Le bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe. On s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah. Ouais, on s'en tape. Le mec sur le bateau, c'était quand même le mec de la prémonition qui voulait tirer sur quelqu'un. Hein. Dans le même état qu'on l'a trouvé. Hein? Quoi? Le dévidoir, justement. Oh, merde. Et donc? Bah, pour commencer, il n'y a plus de cockpit. Vous vous êtes surpassé à ce que je vois. Ok. Maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous, visez ça. Lord de Mandchourie. Yes. Qui veut trouver un... Ça, c'est le truc que j'ai failli crever pour aller le rechercher parce que je croyais que c'était une prémonition, puis en fait, c'était un vieux truc tout pourri. Les coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là calé l'avion. Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh, une autre découverte. Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Ah. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue. Excuse-moi, je vous avais dit... Calme-toi, putain. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi. Non, j'ai jamais fait ça, par contre. Donc, j'ai vu un peu de... Non, vous n'avez rien écouté. Let's play Squeezie. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Genre, j'ai vu le premier épisode, quoi. Après, j'ai plus regardé, vraiment. Le premier et puis le tout début du truc. Ok, peut-être, on va essayer de renforcer la relation avec elle, parce que... Je suis désolée. Elle est déjà bien basse. Ok, peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour... Moi, je me suis pas mal, j'ai trouvé 3 prémonitions, je crois. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. Yes. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Allez, ça part en couille. C'est cool, les histoires qui font peur. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. Un gros beau. La femme lui dit... C'est un gros bouffe. Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond yes. que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Ça, c'est comme Fliss. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait... C'est avec une hache qu'on les avait étripés.
C'est sympa, hein. Dégueu. Ouais, dégueu. Ok. Donc... Salut, Xatang, bienvenue sur le live. La femme dit. Non, j'ai fait que. Elle se tourne. Que mon offre, madame, ce soir. Il est là-dedans. Ah ouais, le mari. En effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Ah, c'est sympa ça. Il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir, plus près. Et il n'en avait pas. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Yes. C'est trop dégueulasse. Bravo. Super la chute. Yes, yes, 3 mecs sur le bateau, tranquille. 23h22. Bah, c'est génial. C'est génial. Ça commence à partir en quiz. Mais genre c'est là je pense que j'avais vu la prémonition avec le mec qui tirait. Oh, j'ai réussi un QTE encore, je suis trop chaud. Oh merde. C'était peut-être pas une bonne idée de réussir les QTE. Bon, ils sont vénères les mecs. Mais c'est genre ce. Je pense que c'est eux que j'ai vu dans la prémonition que c'est tiré sur un mec qui se barrait. Sauf qu'il était dans le canot de sauvetage. Par contre, j'ai pas vu que ça essayait de se barrer. Yes, ils sont en pyjama ou à poil. C'est génial. Ah, mais c'est le mec avec un seul œil, genre le mec du bateau d'avant. Ouais, il est comme ça, au moins, il y a tout le monde qui peut parler. Si les mecs reviennent, ils vont se dire vous pouvez parler, c'est n'importe quoi. Ouais, je crois. Ah. Salut, bro. Hey, il est vénère. Au pire, c'est Fliss, hein. Donc, dans un sens, c'est la capitaine du bateau, donc faut quand même la garder, quoi. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Faut que je me concentre. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Mais vénère. Yes, merci pour tes remarques, Conrad. Oh, mais il est vénère. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi, connard? Ça n'avait pas forcément besoin de jouer le connard, parce que ça va bien le vénère encore. Mais bon. Ah, d'accord. Ça, c'est quand je lui ai écrasé la bouteille sur la gueule. Il est pas content. Tout doux. Relax. Ah, mais ça va, il est gentil, lui. Arrête, arrête, arrête. Arrête ça, merde. Le but, c'est quand même de survivre, on donc... On s'occupera de lui plus tard. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. C'est lui qui s'est pris la bouteille dans la gueule ? Lâche-moi lui, on peut être méchant avec lui. Oui. Oh nice. Il s'est mis bien, j'ai même pas pensé qu'il était pas là gros, j'avais oublié. Mais il s'est mis bien Brad en fait, ils l'ont pas vu. Au moins on sait qu'il est là. Du coup, je sais bien finalement ce que j'ai choisi. D'abord, j'étais là, il m'a foutu par terre, c'est pas forcément cool, mais du coup, c'est bien. Attends, c'est moi ou il y avait un mec derrière? Il y avait un mec derrière, on est. What? C'est qui? J'ai l'impression que c'était le mec de. Tu vas bien? De. Je crois le psy ou je sais pas ce que c'est. Squeezie dit ok et on sait pas où était Brad. Ah, ok. Quoi? Bah du coup t'as appris un truc grâce à moi. J'ai pas fait les mêmes choses que Squeezie. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le. T'inquiète. Ouais. Cool, hors bord.
Mais leur chef, il... Ouais... Il a un flingue. Si tu te barres, tu pourrais pas prendre Brad avec. Chercher de l'aide. Le mec, il a un flingue, il va te tirer dessus, donc... Genre, aller au bateau avec la prémonition, genre, j'ai vu qu'il y a, un mec qui allait sur un bateau de sauvetage ou je sais pas quoi, puis il voulait tirer dessus. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. Il lui tire dessus, donc... Ah, bien vu. Bah, c'est celui-là, genre, c'est ça qu'il essaye de lui tirer dessus. Donc faut pas, faut que je fasse gaffe avec le bateau, quoi. Faut pas que j'aille. Bon, je passe par cette fenêtre. Oh, merci pour les bits, Lucas, ça fait plaisir, ça fait le plaisir. Merci pour les 300 bits, gros. En plus, t'as un petit badge un peu maintenant à côté de ton pseudo. Si t'en veux un deuxième, il y a les subs qui sont... Merde. J'étais en train de parler pour le chat. J'ai fait de la merde. Si jamais les subs sont à moitié pris aussi, hein, si tu veux te faire, si tu veux vraiment bien te faire plaisir pour avoir le max de badges possible. Merci beaucoup pour les 400 bits maintenant du coup. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je regarde tout et puis j'ai encore loupé mes trucs. Elle l'a vu, on est d'accord. J'ai pressé! Gros, j'ai pressé! Prendre couteau, s'échapper, il va tirer dessus. S'échapper, il va lui tirer dessus. Donc Ok, j'ai réussi à écouter. J'en ai réussi un sur trois. Mais bon, j'en ai réussi un. J'ai fait ce qu'il fallait. Affaire à des amateurs. Fliss, je me charge de ça. Laisse-moi faire. Ouais, laisse bas de 50 au lieu de 5. C'est pas mal. Ok, ça, il allait chercher les autres. Ouais, mais tu peux pas... Fais gaffe, fais pas de bêtises. Alors, si je le bute, lui il va buter Conrad et puis l'autre derrière avec son couteau il va buter Alex, donc je peux rien faire en vrai. Je peux rien faire. Si je m'échappe il va me tirer dessus. Ouais. Dans les deux cas je me faisais douiller en vrai je pense, mais au moins là je suis pas mort. Vas-y, foulez en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Bah si je demande... Quoi que ce soit débile, ouais. Je te jure que tu le reviendras. Ouais, genre appeler de l'aide. Mais je veux dire, si t'appelles de l'aide, ça peut aider, hein. Parce qu'ils vont venir plus tard et tout, donc en vrai... À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. Il faut quand même demander l'orage parce que c'est quand même important pour nous. L'ambiance est un peu électrique là, à vous. Un gros orage arrive de l'est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Au pire, je dis rien, comme ça ils vont s'inquiéter, j'aurais peut-être dû rien dire. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi, d'habitude c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Je dis rien, comme ça il va. Comme ça je demande pas d'aide, puis je. En même temps, je. Hey, je vois être prudent. J'ai pas demandé d'aide donc il peut rien me dire. Mais en même temps j'ai rien dit aux autres mecs donc ils peuvent commencer à s'inquiéter. Donc ça peut être bénéfique en vrai. Oh merde. J'ai failli les louper ceux-là. Oui, c'est vénère. Ah d'accord. Pour les 65 bits, 466. 466. Piece of cap, stop spamming. Oh, il te dit que tu spams. Attends, il t'a vraiment dit que... Nightboss, il t'a vraiment dit que tu spammais juste parce que t'as envoyé des bits. Yes. Bah désolé. Désolé, tu t'es fait... Oh putain. Tu t'es fait ban genre 2 secondes. Pas ban. D'accord. Oui. Ah mais c'est le bateau qu'on a eu au début, je crois, ça, non? Puisque genre un mec dans un musée. Trop grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Confiance, confiance. On vous est confiant. Refusez mon aide? C'est très louable. Ah non, mais c'est pour refuser. Merde.
sans doute stupide. Nous le serons. Je sais pas parler français, je pensais pas que ça refusait, quoi. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain... J'étais la confiance, donc tu montres que t'as confiance quand même. J'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire, mais sachez... J'ai dit de la merde, du coup. ...que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. C'est bizarre. Ah ouais, pour les bibites. Ah ouais, en plus, c'est un alcoolo. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Junior, retire la tête à l'image. Ah. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit nous aider à avancer, j'imagine. C'est pas forcément bon, parce que Brad, il pourra pas aller chercher de l'aide ou quoi. Et si le courant il l'emporte, il sera paumé au milieu de l'océan. Allez. Mais on est où là? Nom de Dieu. Je prends des risques, je bois. S'il y avait eu des QTE, j'aurais été dans la merde. Non. Non merci. C'est quoi ça? C'est genre les... Ouais, je sais pas. Allez, continue. Voilà quoi, t'auras des hallucinations si c'est pas ça. Mais gros, laisse-moi regarder. Nique ta mère. Allez, un petit screamer. Pas grand chose. Ça, c'est un peu plus quelque chose. Je suis dans ce bateau seul, j'ai pas. Ben gros, tu veux faire quoi? Genre le seul truc que tu peux faire, t'essayes d'aller genre dehors un peu, vite de pas rester dedans. Allez. Tu restes vers l'extérieur. Le truc c'est que tu peux rester là longtemps s'il y a personne qui sait que t'es là. Donc faudrait que t'ailles essayer de trouver une radio ou quoi. Et... Puis au pire, ben limite le truc, tu te butes quoi, tu te suicides. Ça. Voilà. De toute façon, si tu reviens vivant du truc, tu seras traumatisé à vie et tout, donc... Tu pourras plus rien faire de ta vie, donc autant te buter. Merci. Bon après, faut pas se louper, parce que ça risque d'être encore pire, mais... Merci. On peut peut-être la forcer et s'échapper. On va le découvrir. Je crois qu'on va bientôt le découvrir. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur? Ah ouais, bien sûr. Place à la testostérone. Quelqu'un devrait faire diversion. Ce sera pas discret. Non, non. Je crois qu'on devrait plutôt barricader la porte. Ça c'est bien, barricader la porte, ça peut être pas mal aussi. Et en vrai, je sais pas. Mais barricader, il va nous entendre. Genre, il va entendre quand on va déplacer les trucs, donc en vrai, faut peut-être distraire. Parce que si tu barricades, il va nous entendre quand on déplace les trucs pour barricader, donc c'est pas forcément mieux. Je sais pas, j'hésite. Je sais pas si j'ai fait le bon truc. Parce que là, il pourrait rentrer, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il pourrait rentrer. Je vous préviens, je suis citoyen américain. Bon après il est solo donc il devrait pas rentrer en vrai. Ça pourrait... Voilà. Mais j'ai pas entendu le truc donc ils auraient pas dû l'entendre non plus. Nice, ils ont plus barré. Au pire il y a Conrad qui reste, c'est un peu con mais... Replacer. Comprendre. Il va pas savoir ce que... Mais il rentre quand même. D'accord. Allez, nice ça, on se barre. Enfin, on se barre. Faut pas que je me rate. Oui, par contre, limite, il va faire une blague parce que c'est un gros schlag.